Le secteur du bâtiment est promis un très gros avenir avec les nouveaux matériaux pour la construction, les nouveaux isolants, les nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement qu'on appelle les éco-matériaux, les nouveaux systèmes de production d'énergie qui consomment beaucoup moins d'énergie, les nouveaux systèmes donc d'éclairage avec le solaire, etc. Et il y a d'autres domaines sur lesquels il y a aussi beaucoup de développement un peu temporisé par la crise économique globale, mais c'est tout le domaine du recyclage pour aller vers l'économie circulaire, la réutilisation des produits ou des matières, mais surtout la recherche des matières nobles dans ce qui était nos déchets. Ce béton a été élaboré à partir de sable de fonderie, de sédiments fluviaux et de déchets de déconstruction. Ces trois composés ont été substitués intégralement aux composés naturels qui sont traditionnellement contenus dans le béton. Ce sont trois déchets qui sont issus des exploitants régionaux et le marché se développe en région. Ce béton est meilleur pour l'environnement pour deux raisons. Tout d'abord, il évite l'extraction des matériaux naturels et deuxièmement, il permet de créer des filières de valorisation pour des déchets qui sont aujourd'hui enfouis ou peu valorisés. Ce béton n'a pas la résistance requise pour construire des habitations. Il est uniquement dédié au mobilier urbain. Nous avons une gamme qui est en train de se développer à base de mobilier urbain, de porte-vélos, peut-être bientôt des poubelles ou des jardinières, destinées aux collectivités et aux industriels qui souhaitent développer une gamme verte, une gamme environnementale. Par la suite, peut-être dans quelques années, nous pourrons développer ces produits pour les particuliers. Le côté intéressant, c'est qu'ils viennent voir chez nous, ici en région Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire qu'ils commencent à voir que le travail qui est fait par la région, les politiques de la région depuis quelques temps, commencent à porter leurs fruits. Et le fait qu'on ait décidé que les éco-entreprises et les éco-technologies allaient être un secteur d'activité à part entière, comme le textile, comme l'automobile, comme le ferroviaire, comme l'agroalimentaire, etc., eh bien, ça attire l'attention des autres régions et des autres pays pour venir voir comment on se débrouille.